Je veux pas sauter plus haut. Eh, hey, c'est incroyable. Eh, hey, vous allez me voir marcher comme un pingouin. Mais c'est trop dur. Allez Flo, fais-moi un peu marrer là. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Il est clair qu'il y a quelques petites choses à revoir dans la vidéo. Le deuxième épisode du nouveau concept Gauler avec quelque chose. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ce que ça va être. Et on est accompagné d'un grand joueur, Diudi, alias Diudinho, le plus brésilien des Algériens. Diudinho. Elle est grave, on l'a jamais fait celle-là. On l'a jamais fait. Eh, tu m'avais dit que t'étais timide en plus. Ouais, un peu, ouais. Ici, un dans peu. Cette chaîne, il n'y a pas de timidité. Okay. Ici, on se régale, on se charrie. Hein. Si tu me charries, tu mets des grosses lucarnes, moi ça m'arrange. Il n'y a pas de soucis. Et c'est ce que les abonnés ils veulent aussi. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer. Je dis bien essayer parce que c'est quand même dangereux ce que je vais faire. C'est surtout pas conseillé pour tous les gardiens. Ne faites pas ça en faisant des plongeons, etc. Ne faites surtout pas ça. Donc, Diudi, on va commencer. Première manche, sans rien, libre. Tu te régales, tu mets des lucarnes. Deuxième manche, je vais gauler avec des poids de 1 kg dans les chevilles. Et troisième manche, je vais gauler avec des poids de 5 kg sur chaque cheville. Voilà, c'est ses poils. Ouais, yeah. Bon, on va garder notre force pour après. Ouais, je pense bien. Ouais. Hey, j'ai pas voulu bien. Porter plus longtemps que ça. Bon, sur ce, Diudi, bonne régalade, bonne vidéo à tous. Bah. Comment elle était retombée? Wow! Putain! Eh, la Diabolani, c'est quelque chose, hein? Elle est grave cette balle, hein? Ça. Ah, mais je veux. Wouh! Putain! Elle est redescendue, mec! Au début, je voulais pas plonger! J'ai vu comment elle redescendait, j'ai dit merde! J'arrive pas à marquer. Oh. Et pour toi, Flo. Bien joué, bien joué. Oh. 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 Putain. Oh là là, quelle arrêt. Je pensais qu'elle allait rentrer quand même. Oh, bien joué. Bon allez, on va pas s'arrêter sur ici. Bonne lancée quand même. Allez Diudi. Tiens, elle est pour toi celle-là. Tiens. Allez. Ah. Oh bah. Oh. Oh bah bah bah. Oh putain. Oh là là là. Oh, bien joué. Oh putain, j'ai raté ma prise de balle. Ah, je suis deg. Non, j'ai raté ma prise de balle. Putain, je suis deg. Bon, les gars, première manche terminée. Eh, t'as un bon pied droit quand même. Hein. Eh, j'en ai capté aucune. La petite jambe. Les petits mollets, mais il y en a dedans. Hein. On passe à la deuxième manche avec 1 kg sur chaque cheville. C'est parti. Bon. On dirait que j'ai un bracelet électronique. Non mais vas-y, commence pas à tirer comme ça alors que j'ai des... Oh. Ah, j'ai des pommes de terre sur les chevilles, gros. Pas de cadeau. Ah ouais, t'es comme ça. Putain, y'a personne qui va me faire des cadeaux ici. Ouh. Ah, j'ai réussi à sauter, mais j'ai dû faire attention à la retomber. J'ai vu. Ah, j'ai pas de détente. Ah ouais, bah ouais, avec les poux, elle est tombée. J'ai
J'ai que trop lourd sur les chevilles. Oh, bien joué, Flo. Bien joué. Putain, je suis chaud avec les bras sur les chevilles. Wow. Elle est partie de cette vitesse. Putain. Mais elle a changé de trajectoire au dernier moment. Tu l'as vu? Elle allait sur moi et au dernier moment elle partait là-bas. Ah, respecte-moi quand même, Didi. Je te respecte. Hein. Même avec un kilo sur les chevilles, il en faut plus. Pour l'instant, j'ai que 1 kilo. On verra la troisième manche si tu pourras le faire. À mon avis, tu pourras. Bon, les gars, avec les poids de 1 kilo, allez hop. C'est fini. Les gars, 1 kilo sur chaque cheville, je le sens. Alors 5. Tu vas pas décoller. Hein. En fait, au niveau de la poussée, ça allait. Je sentais que j'avais moins de détente, ouais. Surtout verticalement. Ouais. Horizontalement, ça allait. Mais rien que quand je marchais pour aller chercher les ballons, ah, je le sentais. On dirait que j'avais des pommes de terre sur les chevilles. C'était incroyable. Là, maintenant, ouais, c'est... on est sur de la matière. C'est lourd, là. On est sur de la matière. On dirait un gilet pare-balles. Tu te rends compte ou pas? Ah, là, là. Tu te rends compte? Gilet pare-balles, vous pouvez pas voir là, mais je suis contracté sur toi. Ah ouais, rien que pour porter ça. Ah, bon, on va essayer, on va le mettre sur la cheville. Allez, c'est parti. On va faire quelques petites frappes. On va pas en faire beaucoup parce que déjà, c'est très dangereux. Je vous déconseille de faire ça. Ne plongez surtout pas avec des poids sur la cheville. C'est dangereux. Moi, je le fais pour essayer, pour voir ce que ça fait. On verra bien. En plus, toi, tu commences à avoir mal aux adducteurs. Ouais, un peu, ouais, un peu. Ouais. Ouais. C'est ça, je lui ai dit frappe plus fort, hein, il faut m'en faire plus pour marquer des buts. Attirer plus fort, il s'est fait mal aux adducteurs. Ah, voilà. Eh bah voilà. Putain, merde. Merde. Troisième manche, 5 kilos. Waouh. Waouh. Ouais, yo. Waouh. Eh, hey, j'ai les 5 kilos sur les chevilles. Eh, hey, c'est incroyable. Eh, hey, vous allez me voir marcher comme un pingouin tellement c'est lourd. Attends, regarde. Eh, hey, je vais lever ma jambe et je vais essayer de la tenir comme ça. Oui. Ah putain, bah voilà. J'ai tenu combien de temps? J'ai tenu 5-6 secondes. 5, ouais, là, la jambe levée, j'ai trop mal au psoas. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Mais je vais pas faire beaucoup de frappes, on verra bien. C'est parti. Regardez comment je marche comme un pingouin. Ah, mais je peux pas courir avec ça. On dirait un sumo. Tu vois là comment j'ai sauté? Je peux pas aller plus haut, je crois. Oh, punaise. Oh, on va faire des nobles. Non. Ouais, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Attends, je fais une passe. On va essayer un truc. Non, essaye rien. Un arrêt. Bravo. Merci, je suis trop fort. Oh, tu t'es allongé vite, hein. Ouais. Je me suis senti lent quand même, mais... Je peux pas sauter plus haut. Attends, je vais essayer de toucher ma tête avec ça. Vas-y. Putain, je fais de mon mieux. Tu vas arrêter de balle, Flo. Tu vas arrêter de balle. Allez, Flo, fais-moi un peu d'arrêt. Hein. Hey, les gars, vous vous rendez pas compte, mais c'est trop dur. Déjà, j'arrive pas à sauter de plus de 20 cm avec ces poids-là. C'est trop lourd. Quand je saute, les poids se lèvent et retombent sur mes chevilles, donc ça fait mal. Et quand je plonge sur le côté, j'ai une appréhension. Arrête de faire des conneries, toi, putain, tu crois que je te vois pas ou quoi? Et donc, quand je plonge sur le côté, j'ai une appréhension parce que je sais que je vais retomber sur les chevillères et ça peut me faire mal aux chevilles. T'as été vif. Arrête, toi, j'étais nul, je plongeais à 2 à l'heure. Et... C'est parce que t'étais gentil sur les frappes à la fin. C'est vrai. C'est grâce à la blessure, ça. Exactement. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez le pouce bleu. Je vous rappelle que je vous déconseille de faire ça.
C'est pas du tout une bonne idée de gauler avec des chevillères. Vous êtes encore plus nul sinon. Voilà, exactement. Non mais en vrai ça sert à rien parce que au niveau de la sécurité, de la santé, c'est pas conseillé du tout. Ça peut vous causer uniquement des blessures. Et voilà. Si vous utilisez ça, il faut que ce soit un entraînement bien encadré pour faire un renforcement musculaire. Si vous avez kiffé, pouce bleu. Merci d'être venu, Judy. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. Si vous avez des idées du concept gauler avec quelque chose, vous l'écrivez en commentaire. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bah. Hey, je viens de retirer les chevillères là, 4 kilos. Hey, je suis tout léger. Je suis tout léger des chevilles. Oh putain. Tu t'envoles. Ah, laisse tomber. Hey, je peux taper un 100 mètres là. Je crois que je peux faire de la compétition maintenant. Bon, pour 30 secondes, mais bon.